Et salut à tous, c'est Titsoko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dofus Rétro pour la suite de notre aventure Ninithram avec Ulrez. Salut. Là, on ne voit pas très bien, du coup je vais faire un petit réglage son et lumière, bah, plus lumière que son. Et voilà, là en fait on est dans l'attente d'avoir un autre combat, parce que clairement la rubis on s'est fait déglinguer la dernière fois, et on tient pas trop à la voir. Donc là il y a une petite panda, mais il est un petit peu réticent, alors qu'il pourrait juste la stabi. Mais bon, donc on va attendre, et puis on se reprend dès qu'on change de groupe. Bon, ça y est, le groupe a été enfin pris. On est passé par tous les stades. Ils viennent de chanter Martin Matin, là, en live. Hein. Donc voilà, et on espère juste avoir un bon groupe juste après ça, avec Ulrez. Par contre, on va pas lancer tête baissée, ça c'est impossible. Il faut d'abord qu'on vérifie que le groupe soit bien. Et ça va être chaud. Ça va être très très chaud. C'était quoi ? C'est beaucoup plus facile. Ah purée, je pense que le prochain groupe c'est encore une rubis. Ça va être chaud. Ah, moi je cours pas. Vas-y go. Ah purée, c'est tellement plus facile là d'un coup. Rat blanc, fantôme, tourbassing, tanuki. Mais on n'a pas de rubis. Et ça, c'est un gros point positif. Oh oui. Bon, par contre, le tanuki, oublie pas qu'il faut qu'on le tape rapidos parce qu'il fait des gros dégâts et qu'il pousse. Hein. Et le fantôme d'aventurier à repos, il est pas mal aussi, mais de toute façon, ça, tu vas gérer. Oublie pas de rester pas loin de moi pour les PA. Tourbe à 5, ça, c'est pas un problème non plus. Ok, GG. Tranquille. Enfin, on peut avancer. Purée, ça faisait combien de temps qu'on attendait là ? Genre une demi-heure. Genre une demi-heure. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est certainement les enfants, hein, du coup, qui risquent de venir. Bon, et d'ailleurs, t'as pas mis de double, hein. Ok. Non. Hop, je vais faire ça. 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 Mot d'épine, je m'en fiche. Par contre, du coup, je peux pas taper, donc je vais continuer à buff. Mot de frayeur. Non, mais je vais juste courir en fait. Je peux rien faire de plus là. Là, c'est vraiment dommage parce que pour le coup, je peux pas du tout taper. Bon, ce sera pour le prochain tour. Écoute, on verra bien. Hein. On verra bien. Une bonne chose de faite. Le rat blanc. Ouais, mais bon, ça va être un peu long, mais au moins c'est mieux que d'avoir la rubis. La fameuse rubis. Et attends, prochaine salle, c'est aussi un boss de donjon. Donc, à voir. Moi, je peux le taper au. Ou AJ, je ferais mieux de taper AJ. Maublessant. Je fais quoi, 3 des... Ouais, maublessant. Je fais pas des dégâts de ouf, hein, par contre. C'est pas ouf. Hop, ça, il faut que je monte comme ça. Hop. Et 2 PA, 2 PM, pardon, je vais là-bas. Je remonte ça du coup. J'ai pas eu des toniques de ouf, hein, moi, quand on y pense. Sauf le premier, il me semble. Ouais, non, même pas. Non, j'ai pas eu des trucs de ouf. C'est le jeu. On passe un tournoi des toniques. Non. Alors, l'agilité, alors que tu veux que de la force, c'est pas ouf. Ouais, mais bon, après, l'agilité, c'est utile quand même, vu que t'es un SRAM. Donc, par contre, là, du coup, tu me mets en position chiante. Et c'est le sang. J'ai pas assez de PM. C'est pas grave ça. Je m'en fiche de pas avoir assez de PM, regarde. J'ai assez de PO.
Oui, je le finis, oui. Mais là, du coup, va falloir redescendre pour aller commencer le rat blanc. En fait, là, ce que je viens de faire, ça. Non, j'ai pas le PO pour ça. Non. J'ai pas la PO. J'ai pas la PO pour rien du tout, là. C'est chiant. Et en plus, le rat blanc, il va venir m'embêter. Je le sens bien. Tu peux pas le toucher du coup? Non. Bon. Non, c'est tout. C'est tout. Ouais, par contre, ça m'arrange pas non plus. Du coup, il a toujours Raskas. Ah non, il a pas Raskas. C'est le moment de le taper. T'as vu? Ah, c'est cool. J'ai pas vu, il a peut-être fait un échec critique. Parce que normalement, il lance tous les tours. C'est vraiment le moment de le... Attends. Ouais, un tel, du coup. Je vais taper un tel. C'est pas ouf, mais... Ça va encore, en vrai. Hop, je vais soigner lui. Oh, t'as vu? Coup critique. Bien. Bien. Par contre, là, il risque de mourir. Forcément. Tu te rappelles la dernière fois les dégâts qu'il a fait? Faut se méfier quand même. Hein. Ok. Ouh, purée. Franchement, ton piège mortel là. Ton piège mortel. Ton piège mortel, ton aim. Oui, non mais ton aim, mais non, je sais pas, j'ai bugué. Du coup, je vais commencer à le taper quand même, hein, malgré Raskas. Tant pis. Hop. Donc là, 50%. Je vais commencer à le taper dans tous les éléments, de toute façon. En tous les cas, ça c'est deux tours avant qu'il se remette. Hop, le petit Lapino. Tant qu'il peut tank, lui, tranquillement. Donc là, du coup, on peut plus taper feu. Et on peut plus taper R. Ça m'empêche pas, hein. Oui, mais tu feras zéro dégâts. Donc là, un peu là, pour l'instant... Ah. Ouais, non, ça arrive. Mais oui, je t'ai dit que tu pouvais... Ouais. J'ai rien dit. Par contre, du coup, ça, je peux pas le faire. Prochain tour, je donne les PA. Ok, mon petit lapin, il est en train de prendre cher. C'est vrai? Ah bah c'est le moment de taper, bah, du coup, je sais pas si je vais donner les PA. Bah, GG. Est-ce que je donne les PA ou pas, quand même? Vu qu'il a pas fait Raskas. C'est parce que j'aurais préféré faire un mot de prévention, un mot d'amitié aussi. Non. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, du coup. Tac, le mot stimulant. Et c'est parti. Ah oui, mais t'as pris le... C'est une bonne question, écoute. C'est une très bonne question, je sais plus. J'ai pris... Oui, exactement, mot stimulant. Plus 35 au CC sur le sort mot stimulant. Donc, mais je pense que je vais finir. Il y a moyen, hein, 1285, il y a moyen. Vu qu'il a pas lancé son sort deux fois, vu qu'il préfère taper. Hop, et voilà. GG. Ok, c'est cool. Allez, Lily. Par contre, moi, ce qui me fait peur sur la prochaine salle, à voir. Ok, nul. Ah, nul. Ouais. Moi, j'ai des toniques nuls. Ouais, pareil. Tonique motion. Vas-y. Donc, 1 PM. Tonus Air Magnus, moins 150 en force et 300 en agi. Toi, t'as quoi? Tonique Vitalité Magnus, plus 1000 en vitalité et moins 10 dans toutes les résistances. Ouais, ça c'est pas ouf. Et ensuite j'ai 30 CC sur le sort Move Vampirique. Ouais, parfait. Et toi? En vrai, celui-là, il est pas mal. Vas-y, dis. Mais vu que c'est sur des pièges, c'est de la merde. C'est Tonus Mutatio Piège Mortel. Ah, Piège Mortel. C'est possible lancer en ligne du sort Piège Mortel et augmente le nombre de maximal de lancer par tour de Piège Mortel. Bah, ça va, hein. Piège Mortel, en vrai, si t'as plus ligne de vue, c'est canon. Ouais, ça peut l'intelligence artificielle. Et ben, prends le PM. Ah, oui.
Ok, bon, bah, très bien. Moi, j'ai pris, j'ai pas pris le PM, moi, j'ai pris l'agilité, du coup. Oh, ça va! Le Bwark élémentaire de terre, par contre, c'est chiant. Ouais. Parce que c'est moi qui va devoir le tuer. Mais là, ça va encore. On y va? Allez. Vas-y, let's go. Là, ça va encore. Blob multi, Bwark élémentaire. Le troll qui est un peu plus embêtant. Ouais, est-ce que tu peux te mettre plutôt là où j'étais et moi derrière? Ouais. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est le Bwark élémental de terre, du coup, puisqu'il va avoir de la résistance en terre. Et ben, tu vois, j'ai bien fait de prendre Agi. Il a moins de 15 en Agi. Donc, ce sera pas plus mal. Et par contre, le troll, va falloir lui régler son compte rapidos quand même. Ben, ça va, il y a arnaque, tranquille. Hein. Tu veux qu'on. Tu veux qu'on se qu'on focus l'élémental? Ouais. Ok. Ça me va. C'est incroyable. Ah. Et il pique, hein? Oui, c'est pour ça que je le tape rapidement. Mm-hmm. Et pour le troll. Si le troll, ça fait très très mal. Ouais, je sais. Après, c'est pas plus que leur point de vue, on est à l'aise. Je peux plus rien faire. Je vais juste mettre. Ah, je peux pas faire sur moi ça. Ok, bah, vous épinez alors. Écoute. Allez. 13 PA, ça va, hein? Franchement, les 13. Ah, je pensais qu'on en avait gagné 3. Bizarre. Bon, moi, c'est tout, on a gagné 3. Oh, c'est pas vrai, il l'a mis invisible. Comment ça, je ne sais plus. Ah oui, bah oui, c'est le bloc multi. C'est le multi qui fait ça. J'avais carrément zappé ce. Fais gaffe parce que le troll il est invisible. Pas moi aussi. Mais pas moi. Je peux te mettre un. Ben. Étant donné que je vais taper juste après, je sais pas si ce sera utile parce que ça me re-rend visible quand je tape, non? Ah, génial. Bah, tu peux pas taper le bourg qui est mental? Ah. Ça c'est moins bien. Non, c'est pas grave. Et purée, il tape fort, hein. Ça va, c'est le. Ça va, ça va. C'est pas tant que ça, hein. Heureusement que je tape un minimum. Oui, bah oui, je vais pas rester là. Il y a le troll qui est là. Ouais. J'espère juste qu'il va. Bah, ça va, le lapino, il vient me protéger. Bah, je peux pas. Pour l'instant. Bah, ouais, mais pourquoi est-ce que t'as pas regagné de la vie alors? Le lapino, il t'a soigné? Parce que lui, il avait à ce moment-là refusé. Mais pourquoi il a fait ça? Ils sont cons, ces trucs. C'est pas possible, ça. Encore, le bloc multi, ça va pas poser de problème en soi, mais c'est plus. Là, en l'occurrence, le troll qui va être embêtant. Bon, j'essaie de faire ça. Bon, tant pis, je vais m'en aider à nouveau. Ben. Il y a un moment, de toute façon. Je pense pas que je puisse le tuer prochain tour. Le collabole, apparemment le troll est vers ici. J'ai fait un coup critique. Je m'étais dit que j'allais pas le tuer, mais en fait. Hop, je vais me mettre là. T'as dit que le troll il était où en théorie? Bah là, aux alentours du lapino là. Non, aux alentours du multi, mais là il va avancer sur le casque, forcément. Ok, donc il va plus se mettre certainement sur ton double. Il y a des chances. Ton double, tu peux le remettre dans combien de temps? Ok, ouais, bah regarde. À mon avis, il y en a un qui est bloqué au cac de ton double. Moi, tu vois, j'aurais plus dit qu'il y en aurait un ici. Je pense. Bah oui, mais en attendant, on peut taper toujours le bloc. Hein. Ou te soigner. C'était quoi? Non, moi de sacrifier ce que tu voulais. T'as dit quoi? Soigner le double? Je sais pas si je peux. Ouais, j'étais en train de regarder justement. C'est clair. Là, je t'ai soigné un petit peu et le lapin aussi. Et prochain tour, bah, j'essaierai de soigner un petit peu, mais je.
Eh ben, il est là. Il est là. Eh ben, voilà, il est là. Est-ce que tu peux le pousser éventuellement? Je peux, mais bah, t'as plutôt le troll, non? Le troll, il a l'air pas trop résistance, tandis que le multi, il a l'air pas. Bah, ouais, mais le troll, il a 10 000 points de vie. Si je vais sur le tapis, je veux plus m'éloigner. Bah, vas-y, alors, on fait. Tant pis. Fais donc. Bon, GG. Tranquille. Bon, d'accord, ça va aller plutôt vite, ok. Est-ce que moi. C'est ce que j'allais faire, 2 minutes. Mais je vais faire le mot de frayeur. Le mot de frayeur, il me coûte 1 PA et lui. Bon, les dégâts du Strapel, c'est sacrément plaisir. Mais je peux plus. Ah, je peux plus. Ça, je peux faire encore. Ok. Hop. Bon, là, je prends que mon ami va prendre le prix. Ouais, mais le problème, c'est que là, je pouvais pas le soigner, du coup, vu que j'ai préféré taper. Est-ce que je peux le soigner? Je peux faire une reconce? Non. Ouais, je pense pas crever. Je peux pas lui faire de reconce. J'ai... Bah non, je vais en ligne droite. C'est en ligne droite, hors obstacle. Combien de tours encore pour ton double? Bonne question, merci de l'avoir posée. Ah bah c'est bon, il peut mourir, j'ai pas besoin de le soigner, très bien, je peux taper. Je continue à taper le troll, du coup... Je vais me foutre là. Ah, je peux taper, oh. Ah, mais c'est que si je me mets là, ça va pas, bah mood en vol, hop, tac, tac. Tac. Et je pousse. Pour bah de toute façon Koalak je pense qu'on va le tuer en dernier hein. Clairement il a pas déclenché ton piège du coup. Non, moi, si je peux sur Koalak juste après le BR moi ça me va. T'as vu regarde les plops ils ont tendance à... enfin les mobs ont tendance à esquiver les bah lui il est allé en plein dedans. Oh la vache tu lui en as bien mis hein. Bon bah GG franchement. Tu gères, hein. Franchement, l'attaque mortelle, là, avec tout tes toniques, elle gère. Bah, okay. Est-ce que tu es collabonne Je pense pas, hein. Non, mais t'as tapé le troll. Je vais continuer à taper le troll, en fait. Ouais, mais là, si le collab à nouveau rend invisible, on est bloqué pour nous, quoi. Bah, sauf si tu arrives à le trouver, que tu mets un piège et qu'il reste dedans. Ouais, mais non. Bah là, techniquement, si tu mets un piège. Ouais, il va préférer venir taper. De toute façon, il ne taclera pas. Donc, en tous les cas, tu sais qu'il est devant toi. Regarde. Là, tu le tues. Et puis, l'autre, il redevient invisible. Normalement. Pourquoi t'as pas tapé le... Ah, bah non, tu pouvais pas. T'avais pas la PO, forcément. Ouais, non, mais j'ai rien dit. C'est KPO, déjà pas mal. Par contre, le petit soin. Bah, viens vers moi. Non plus, il y a la qui va me soigner. Mais je vais aller vers toi pour les PA. Oui, bah oui, c'est justement pour ça, tiens. Hop. Voilà, j'ai soigné le lapinois, des fois de te soigner toi. Il est vraiment débile, ce lapinois. Bah écoute. Bah, je crois aussi, il est un petit peu con. Ouais. Pousse-le et viens vers moi. Qu'est-ce que je pense que t'as mis pas ? Je lui ai enlevé quand même pas mal de points. Aussi, du coup. Et. Quoi que si je le fais tout souvent, ça prend des dégâts aussi. Est-ce que là, je. Te... Non, je suis dedans. Hein. Ouais, c'est bon. Je crois que je vois, c'est dans la range. Ah, regarde, comme ça il y aura plus de soins. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu l'as posé dans ce sens-là, parce que tu mentionnais juste après, tu peux pas. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Moi, je réfléchis pas souvent non plus, du coup. Mais... C'est pas ta classe de public. 1, 2, 3, 4. Ah merde, il me touche quand même. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Normalement, il vient sur moi, du coup, il te laisse tranquille. Tu le bloques multi tranquille. Ouais.
Oui, mais c'est ça, je vais couper une bleue. Ok. Ah, en plus, c'est tous les périodes. Voilà, voilà. Ah. Donc, il peut venir vers moi tranquillou. Bah, de toute façon, il va rester sur moi, là. Non, c'est parce que le bleu comme si je voulais faire avec sur moi, parce que là, j'ai ça à la PO pour taper. Et même avec ton PO en plus, avec ton sort, ça va pas? Ça ne monte pas la PO de l'attaque. Bah, c'est bon, là. Oui, mais en fait, ça mise qui c'est 3 PA, alors que j'aurais pas faire les actions sur lui, attaquer mon tel, et mettre entre lui et moi, un petit peu, donc c'est comme si j'avais fait 3 attaques. Ouais, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Hop. Je sais pas si... Moi aussi, c'est bon. Hop. Normalement, il va rester sur moi, là. Ah oui, il y a des mauvais clients, en fait. Oh, purée, mais ouais, mais... Bon, tant pis. Tant pis. Bah, c'est vrai que j'ai pas fait attention non plus. Et je suis en train de me dire, n'empêche que j'avais peur un peu pour... Non, c'est pas ça. Du coup, j'ai pas vu les décrits que t'as fait. Hop, j'avais peur un peu pour la salle, mais on est au boss finalement. Ok. Et là, il lui reste 3600 points. 3400, moi, ça devrait aller vite. Ouais, ouais, vas-y. De toute façon, ouais. Mais les coups critiques sur l'attaque mortelle, ça reste toujours aussi réussi. Je suis sur 1 sur 33, au final, que à la base, attaque mortelle, c'est un des rares sorts. Là, il y a un CC de 1 sur 100 ou 2 balles en théorie. Et on voit pas que l'imaginité est. Mais voilà, on critique, c'est voilà. 131-150. Ça, c'est assez rageur. Ah, il m'a enlevé des PA là. Dommage, c'est pas grave. Ah, tu m'as rencontré ? Bah oui, tant qu'à faire. Je me suis dit, c'est la fin du combat. Allez, au moins, comme ça, tu peux te mettre à côté de lui. Si tu prends des coups, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Enfin, si je dis que c'est pas ouf, mais finalement, moi, je fais moins de dégâts. Donc... Oui, mais c'est un peu. Oh, je pense que... Ah, je pensais le tuer, mais non, il m'a enlevé des PA. Vilain. Bon, là, on va gagner un PA encore en plus. Oui, 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 donc potentiellement, on sera à 14 PA avec le Mostimulant, donc ça, c'est cool, là. Sauf s'il se passe, sauf s'il se passe une dinguerie, mais... Allez. Bon, voilà, ça. Ça ouais. Tonique numéro 7. Oh, j'ai rien de fou non plus. Tonique critique. Eh, ça donne 1 PA, 1 PM. Hein. Donc ça, c'est cool, moi, Anthony. Ça, c'est nul. Et ouais. Bah écoute, moi, j'ai des tonis encore une fois. Enfin, des toniques pas ouf. Tonis Criticus plus Crains OCC. Je pense que je vais prendre lui. Tonis Fortus Magnus moins 100% de dommages et 32 dommages. Nul. Et 15 de soins sur le mot soignant. Et augmente le nombre de 1. Je vais prendre les coups critiques. Bah, je pense que ça fait un peu que je vais prendre un truc de base. Ah ouais ? Une mutation de sort. C'est quoi ta mutation ? Oh, le tinerie là. Parce que là, j'ai tonique action. Ouais. Un PA. Ok. C'est pas fou. Bah, ça dépend, étant donné que je te donne 2 PA. Est-ce que tu peux pas faire une AM en plus ? Oui, je peux, mais pas sur le même personnage. Ah. Qui est un petit peu fuyant. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, tonique vitalité maintenus, mis en vita, mais je fais 10 en chaque élément. En ouais, non, c'est pas ouf, ok. Tonique, mutation, attaque mortelle. Ouais, bah mutation, attaque mortelle. 5 CC sur le sort attaque mortelle. Ouais. Donc je serai encore à moins 6 élément, je fais 1 sur 8, je crois. Ouais, tonique attaque mortelle, ouais, j'avoue. La sort, n'importe quel sort attaque mortelle, je crois. Ah, ça va, tu vas pouvoir taper à 3 cases du coup. Ouais, bah c'est cool. Vas-y, tonique attaque mortelle. Ouais, ça fait plaisir, c'est clair. Ouais, le tinril. Donc. C'est la Yuri. Je sais pas. Je sais plus la Yuri, c'est quoi. Je vais regarder. Tinril à Yuri. Alors, le bestiaire du tinril. Tac, 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 tac. Terre. Résistance terre. 0%. 0% bah, let's go. Là, là, je pense qu'on va même pas. Faire gaffe parce que le tinerie, l'OS au corps-corps qui donne des grosses faiblesses, ça veut dire qu'il donne des faiblesses en terre. Donc ça veut dire que peut-être un des autres qui tape terre, il défonce. Sauf que Draketor le voleur, c'est un rouge, donc il tape feu. Bork élémental de feu, il va taper feu. Maître Zot, je sais pas. Maître Zot, il me semble. Attends, je vais regarder Maître Zot. 3000, je pense. Attends.
Je vais retourner sur le bestiaire. Du coup, je suis sur dofus.com sur le bestiaire, donc l'encyclopédie. De 3800 à 5400, PA10, PM2. Mais c'est pas eux qui se transposent aussi, les timurides. Avec toutes les créatures ou juste contre... Bah, je pense avec toutes les créatures. Là, j'ai pas plus d'infos. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça. Et Maître Zot. Attends, je vais regarder Maître Zot. Maître Zot. Je pense qu'il va taper terre puisque. Alors, attends. Il a 2600 à 3000 points de vie, le Maître Zot. Quoi ? 226 à 138. Bah, tu me marques niveau. C'est Dofus Retro ou Dofus ? Non, Dofus 2. Ah, bah oui, mais ce sera la même chose. Oh là 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 là. Maître Zot Dofus. Non, je te parle du Tinerid. Oh, mais attends. Parce que Maître Zot, il est 148. Bah, je suis. Le problème, c'est que. Hop. Je vais du coup aller sur Solomonk pour faire ma recherche. Bah, je suis en train de regarder. Et c'est quoi les résistances du maître? 40% terre, moins 7 feu, moins 47 eau et 14 agi. 2000 points de vie. Esquive 100%. Et ouais, bon, c'est pas. Ça va, hein? C'est pas ça. Ok, bon, puis on. Bon, on essaie, hein? On va essayer de tuer très rapidement. On va être dans le rouge. Le maître d'os. Bah, le Tinril aussi, hein, bon, en fait. On tente. Allez. Par contre, on a pas le choix. Bah, oui. Bon. Tu te mets du côté du maître d'os, du coup. Ouais. Tu penseras à venir vers moi pour. Ah, ouais, mais non. Les PA, par contre, ça va être compliqué là sur ce sarin. Faut faire gaffe. Ouais, c'est pas grave. Faut faire gaffe que le Tinril soit. Enfin, plus. Oui, ok, ça marche, il va falloir être attentif. Et vous savez que c'est ma spécialité d'être attentive. Oh, merde. Bon, bah, maître Zot direct, bim. Il m'a enlevé 5 PA et il en a gagné 5. Faut vite le tuer. Très très vite. Ouais, sauf toi. Bah ouais, tu peux pas invisible moi. Ah bon. Juste, attends. Oh merde. Est-ce qu'il prend. Bon. Casse-toi. Comment te dire. Mot de jouvence. Ah oui, t'as 2000% de la. C'est quoi mot de jouvence? C'est un flacon. Un flacon. C'est mot de prévention. Non. Tu l'as inventé ça, je sais pas moi. Bon, pousse-le et casse-toi parce que t'as 2000% de PLS à faire. Bah, je peux pas le pousser. Non, je rigole, je peux le pousser. Et casse-toi. Je me dis pas, t'as pas prendre de dégâts. Parce que là, si tu prends le dégât, tu peux faire one shot. Mais ça, quand t'es ça, t'as le mot de jouvent. Ça te dégage. Ah, mais non, mais c'est pas un flacon, c'est un plus. Il est là-haut, au mot de jouvence. Enlève les envoûtements, ouais. Ça tape. Mais bon, moi j'espère ne pas être tapé du coup parce que. Maître Zot, apparemment il tape tout feu aussi. S'il tape tout ce feu, ça va en fait. Hein. Ouais. Ok, donc mot de jouvence c'est là. Mais de toute façon, il faut le tuer, donc il n'y a pas le choix. En soi, le Tinril il va pas être si problématique que ça, étant donné que. Ok, je pense que là le Maître Zot il va être. Ah, t'as 2000% de faiblesse face à la terre. Oui, mais ça, c'est... Stop, hein. Tinril. La chance, tu l'avais pas tellement content. En tout cas, en vrai, tu l'avais pas tellement. Bah, peut-être qu'il tape... Il tape pas ce que tu pensais. Bon, alors, bah, attends. Je fais mot de jouvence. Bah, visiblement, ça te tape pas, donc tu te tapes. Bah... Ah non, je... mais c'est pas ta super. Bon, pousse-le et tape un petit peu. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ouh, c'était juste. Et
Ouais, non, mais je sais pas, j'ai totalement bugué. C'est parce que je voulais regarder en même temps Draketor, il a moins 2. Le Bourg élémental, là, ça va aller. Il faut que je tape haut. Oh purée, j'ai plus de lapino. Moins 200. Les tours passent en dessous pendant que je déplace. Ouais, ça marche. Ouais, il est temps que tu le tues, hein, celui-là, parce que... Oui, et ben, il m'en a retiré 5 tout à l'heure. Donc, c'est pas ouf, hein. Ouais, j'espère qu'on aura... Si, j'espère que si on termine, on aura des meilleures toniques, parce que là, c'était pas ouf, hein, niveau tonique... Fais gaffe, t'as encore de la faiblesse, et moi aussi. Je te l'avais dit. Bah toi fais attention du coup. Parce qu'il se tépait. Sur n'importe lequel. Je sais bien. Bon ben, je suis inutile. Ouais mais là je suis mort, hein. Je vois pas comment je peux les gérer. Bah, faut que déjà que tu tues le maître Zot. Oh, mais il va me retirer encore des terrains, ça. Hein. Bah, non. Ah, si. Ah, purée, il est chiant ce maître Zot, là. Et ouais, et ça va être compliqué aussi, du coup, Tinry, là. Il aurait fallu... Je t'avais dit qu'il fallait gérer le Tinry d'abord. Bah, c'est bien beau, mais. Ben, c'est la salle. Hein. C'est la salle. Il s'est direct TP sur moi. Tu veux que je fasse quoi de plus? Bon. Encore une défaite. Bah, ben, je vois pas pourquoi. Ah, si, si, non, mais tu veux que je gère comment? Sans soin. Il est chiant, hein. Il est chiant. Hein, quoi? Il soigne un peu cet enculé. Bah ouais, puis 500 de soins sur le Draketa. Oh là 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 là, quelle merdouille. Oh, putain. Il soigne. Ouais. Et bim, encore une fois, lui. Et lui, il donne des PA. Et tiens. Et le maître Zod, finalement, il est chiant, hein. Il est même très très chiant. Oh mon dieu. Ouais, c'est très cool. Je fais ce que je peux, mais là, je veux pas pardonner. Là. J'ai envie de me claquer la tête sur mon bureau. Je t'avais dit qu'il fallait commencer par le Tinry. Bah, désolé les mecs, mais là, je veux plus rien faire. Là, franchement, pour le coup. Non, mais là. Moi, j'abandonne. Le Tinry, c'était trop compliqué. Non, j'ai abandonné ça, parce que... Ben, le problème, là, c'est... Que... La prochaine fois, il faut taper le Tinry tout de suite. Je l'avais dit. Hein. Ça change rien, si le maître en note, il nous aurait... Ouais, mais si on avait déjà géré le Tinry, on n'aurait pas eu les faiblesses. Tu dis, j'ai fait le Tinry, il n'y a que moi qui peux le gérer, et je vais faire quoi? 1700? Ben, 1700, il aurait fallu 3 tours, ça aurait géré. À condition que tu sois près de moi. Et la condition que je puisse m'approcher de lui pour le taper et après m'éloigner. Compliqué. Je pense que la prochaine fois qu'on fera un Gladiatrol, si on en refait un, moi personnellement, je prendrai. Ouais. Je regarde pas, j'ai abandonné. 857 à ta cantelle, 726 à ta cantelle. Ouais, non, mais moi j'ai abandonné parce que ça sert à rien. C'est, tu fais des gros dégâts, mais en vrai, je pense que je vais... Ouais, c'est compliqué. Mais tu prends Panda, moi je prendrai Nunu. Parce que Nunu, finalement, il debuff et il tape dans tous les éléments. Donc je pense que je prendrai Nunu éventuellement prochain Gladiatrol, parce que là, clairement, cette compo-là, elle est bien, mais
il manque toujours le debuff qui nous fait vraiment défaut à chaque fois, en fait. Non, mais là, c'est pas le debuff, hein, toi, t'as un debuff perso, en fait. Oui, mais un perso, mais bon. C'est compliqué, voilà. Quoi. C'est compliqué. 31 secondes pour ça. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, cette humiliante défaite pour la seconde fois. Sincèrement, moi, ça me donne pas trop envie de recommencer pour le moment. Ouais, on a gagné un seul Gladiatrol avec Ulrez sur la bêta. On a eu la chance d'avoir des bons toniques. Là, c'était vraiment, vraiment pas le cas. Donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui jouaient en notre défaveur. Là. Du coup, Sramini, c'est bien, mais le debuff, ben, je l'ai que sur moi, pas sur les autres. Et on a aussi des salles qui sont très petites. Donc voilà, on va réfléchir à ça avec Ulrez, essayer de retrouver... on va peut-être même repartir sur la même compo qu'on avait fait pour gagner le Gladiatrol la dernière fois. Parce qu'il faut au moins qu'on le gagne une fois, finalement. Ouais, il faut au moins qu'on le gagne une fois. Là, on s'est rendu une salle supplémentaire. Donc, c'est mieux que la dernière fois. Deux salles de plus que la dernière fois, donc c'est mieux. Non, une salle, ouais. Ouais, tu me fais dire des bêtises. Ok, donc bon, on se dit que la troisième fois, ce sera potentiellement la bonne et qu'on gagnera cette fois-ci. Et qu'on aura des médailles, surtout, puisque nous, on veut des médailles pour débloquer les bonus. Enfin, voilà. Donc, ce sera déjà tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ce contenu, malgré la défaite, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Puis, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.